Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo ici à Williams. Donc aujourd'hui nous allons faire donc le Grand Canyon. Donc on va passer la journée là-bas. Donc il va avoir que ça sur la vidéo. Et après le Grand Canyon, on part à Page. Voilà, donc on va y aller ça tout de suite. Oh là, j'ai un peu la gorge qui... Voilà, je parle doucement parce qu'il y en a encore qui dorment encore. Donc j'ai trop hâte d'aller au Grand Canyon depuis le temps que je veux y aller. Il fait déjà beau, il est presque 9h. Donc allez, on y va, c'est parti. T'as vu le camping-car? Ouais. C'est sous de location, tu sais où tu vas cruiser l'Amérique? C'est sous de location. C'est sous de location? C'est quoi ça? Ils dorment là-dedans? Ah ouais, ils ont aménagé. Ça y est, nous sommes arrivés ici au Grand Canyon. J'ai hâte. Il y a pas mal de... comment dire? De parking en fait. Il y en a là-bas et là aussi. Magasin, argent. Magasin, on verra ça à la fin, non? Hein? Ouais, ouais. On va acheter des souvenirs pour la famille. Oh là là. Par contre, pour ma mère, ça serait bien ici. Hein. Il y a du randonnée, quoi. Oh, des randonnées. Ah, c'est bon. J'ai pas parlé français, j'ai pas parlé anglais, j'ai... Ah bah ça, pour parler anglais, limite, faut que tu arrives là. Pourquoi? Interdit aux chiens, c'est ça? Les chiens de service, c'est pas très utile. Bon, je pensais pas que j'allais avoir des vertiges. C'est impressionnant. Mais quand tu t'approches, moi je tremble. Hein. Je crois que j'ai des vertiges vraiment dans ce truc-là. Tu penses pas? Moi déjà, je pas bien. Ouais. Je tremblais à mort. Putain. Ouais. Oh, laisse tomber, j'ai eu vraiment peur. Je tremblais. Je pense que j'ai jamais eu autant peur en fait. Le Grand Canyon, c'est énorme. C'est voilà. Les barrières sont juste à côté du vide. Et moi, le problème, c'est que j'ai beaucoup de vertige. Et là, franchement, je tremblais partout. Oh là là, une grosse chochotte. Hein. Une coccinelle. Ouais, voilà, j'ai crié quand j'ai vu une coccinelle. Ouais, je suis un grand peureux, je sais. Et ça peut être marrant, il faut que je filme quand j'ai peur en fait. Il n'y a rien d'indiqué. Ah, c'est encore mieux. Bon, allez.
on repart à l'hôtel là, à Page, à 2h30 d'ici. Et il y a des points de vue en direction de là-bas, donc on y va. Et voilà quoi, c'est. Mais c'est trop beau, mais ouais, ça fait flipper quand même. Hein. Oh là. Bon, ouais, il y a Fabien qui a été là dans le coin là où il n'y a pas de barrière. Moi, déjà, j'ai un problème de vertige. Il a pas fermé la voiture en plus. Hé oh, hey, Fabien, t'as pas fermé la voiture? Ah oui, on entend bien ici. Bordel. Attends, j'essaie de pas te montrer, tu veux pas être montré. Non, moi je suis pas une star de YouTube. Tu... Et moi je suis star de YouTube de 1800 abonnés. Wow. C'est magnifique quand même de là. Vous voyez pas, mais c'est magnifique. Oh. Et moi je vais photographier là-bas, moi. Là où il y a une barrière. Pas plus long. Hein. L'autre, il tient pas debout, il va s'approcher du vide. C'est bon, j'ai tombé une seule fois, vous allez arrêter. Putain, on va pas trop bien. On entend très bien, hein. T'inquiète pas. Il suffit deux fois pour tomber dans le ravin. Oh. Là, il va avoir une vue magnifique. Oh. Je vais essayer. Non, attends, je vais essayer quand même. Attends. Un mètre, ouais. Oh. Oh, la vue. La vue de ouf. Il est où là? Il est tombé lui? Ah, il est là-bas. Apparemment, là, je suis sur le chemin. D'un randonnée où ils descendent jusqu'en bas en fait. Mais j'ai tellement peur, mais je voulais essayer. Attends. Jeanne, en fait, je leur ai dit que t'avais pas de couilles. Ah. Non. J'y vais pas. Non mais c'était malade. On rigole autour you de see? Moi. No balls. C'est bon, t'as essayé. Ouais, j'ai essayé. Mais c'est pas possible, on peut pas aller en bas. Mais bien sûr que si. Il y a un chemin, il fait exprès. Mais ils ont dû mettre des. Il faut pas mettre des barrières partout. Hein. Ils peuvent mettre des barrières quand même. Parce que là. Regardez, c'est magnifique, hein. Mais j'arrive plus à bouger là. Tu pourras revenir. En plus, j'ai déjà glissé. Je suis pour toi. Non, mais reste là aussi, Fabien. Ouais, s'il te plaît. Ah, comment ils se sont moqués de moi. Il y avait de quoi rire, hein. Ah, ouais. Ah, j'ai. Mais j'ai glissé au début, alors imagine si j'allais là-bas. Elle est en train de demander du quoi ça passe. C'est le chemin. Tu connais un peu le français? Ah, j'en ai fait à l'école, mais c'est tout. Bon, allez. Ouais, elle a des bons restes, on dirait. Go en direction de l'hôtel. Par contre, il fait chaud. Du coup, je l'ai fait. Et du coup, c'est la délire. C'est un chemin de randonnée. Et après, lui, il flic. Et là, du coup, je lui fais. Il a trop peur. Ah bah ouais. Mais c'est dangereux hein, pour un coin de randonnée. Il y a un ravin quoi. Ah bah oui. Il y a des gens qui vont avec des chaussures. Ma mère qui fait la randonnée, elle fera pas ça, ça c'est sûr. Hein. Et quand je vais lui montrer la vidéo, elle a dit non, je ferai pas ça.
En tout cas, je suis vraiment pas déçu d'être venu. Ah, je suis vraiment pas déçu, c'est vraiment magnifique. Vraiment, oh là là, c'est énorme. Faut faire au moins une fois cet endroit. Une fois, c'est important. Je suis gay. Même pour ceux qui sont... Oh, oui, je suis... Ouais, non, mais... Ouais, faut faire ça au moins une fois. Allez, même Marseille. Si on a peur. Ouais. Non, 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 pas aller Marseille, non, non. Bon, allez, on y va à l'hôtel, c'est parti. Par contre, l'herbe est verte hein, pour... Hein? Il y a deux chambres. Toilettes. On a un congé aussi. Ah, c'est bien le congé. Oh. C'est trop cool. Ah, le truc de glace. Putain, elle est grande, non? Ouais. Bon voilà, on est bien arrivé à Pej. Donc il va y avoir des surprises ici à Pej. Par contre, je pensais pas que c'était une grande ville et finalement c'est une grande ville. Aujourd'hui on va manger un truc frais parce qu'il fait trop chaud là. Il doit faire 40 degrés à peu près. Et après je pense on va visiter un peu la ville, je sais pas. Où on va attendre demain. Demain, on a vraiment un gros truc à faire, donc ça va être énorme. Ouais. Par contre, la chambre elle est trop bien. Je vous ai un peu filmé vite fait la chambre. Il y en a deux dedans directement avec la douche, etc. Moi, je vais prendre celui à côté de la porte parce que je sors souvent pour aller filmer, etc. Me promener tout seul, si vous avez bien remarqué. Souvent le matin quand ils dorment, vu que je me lève tôt, je vais justement filmer et voilà, et me promener un petit peu. Et là je cherche un truc pour retirer l'argent. J'ai vu un truc dollar, je sais pas quoi. Je pense que ça va être là-bas. Oh, par contre pour traverser c'est chaud. Hein. Mais il faut marcher un kilomètre pour traverser ou quoi? Oh. Wow. On souffre ici. Hein. En fait, le truc, c'est que la ville est en plein désert. C'est comme dans Las Vegas. Las Vegas, c'est une grande ville dans le désert. Et voilà, c'est pareil. Et on n'est pas loin en plus de Las Vegas. Hein, Après Page, ça va être Las Vegas et on va rester 4 jours. 4 jours à Las Vegas, ça va être énorme. Ici, on reste 2 jours et après on part. Attends, je cherche une banque. C'est pas possible. Il y a pas de banque ou quoi? Ah, il fait chaud. 40. Je cherche. Une banque. C'est pire à Los Angeles. Los Angeles, franchement, j'ai souffert. Mais là, ça y est, je viens de prendre de l'argent. Franchement, super facile parce qu'on peut choisir la langue et en plus en ça, vous pouvez choisir le français. Donc, moi qui parle pas du tout, moi qui parle pas beaucoup du tout. Anglais, et ça aide vachement. Il doit y avoir pas mal d'étrangers quand même parce qu'il y avait espagnol. Bon, espagnol, c'est normal, hein, c'est un peu la langue locale hein, parce qu'avec tous les hispaniques qu'il y a aux États-Unis, et puis le français, il y avait l'anglais, c'est normal l'anglais hein, en même temps, on est aux États-Unis aussi. Hein. Il y avait l'italien, il y avait pas mal de langues, c'est pas mal.
Bon voilà, j'ai terminé là pour aujourd'hui. Ouais, j'ai pas mis ma casquette, voilà, vous voyez, hein, je suis chaud. Donc, franchement, j'ai adoré cette journée. Fatigant, hein, là je suis vraiment fatigué, je pense que je vais pas tarder à aller au lit. Il est presque 22h ici, donc à Pej. Franchement, j'ai adoré le Grand Canyon. J'ai eu peur, évidemment, j'ai eu des vertiges, donc j'ai pas pu me rapprocher. J'ai essayé quand même d'aller dans le chemin où il n'y avait pas de barrière, mais impossible de bouger. Donc j'ai laissé Fabien filmer un peu, vraiment un peu plus près. Sinon, après ça, on est allé à Pej. Voilà, on reste deux nuits ici, deux jours, on va dire. Par contre, demain, on va faire. On va faire 2h30 de route quand même et on va revenir. Voilà. C'est une grande surprise, vous allez voir, ça va être magnifique, la vue. Pour ceux qui n'ont pas vu encore mes vidéos, donc ça, sur mon Facebook, vous allez voir. Bon, c'est un peu du spoil, mais voilà, c'est tous les endroits où on a visité. Donc allez-y si vous voulez. Donc voilà, j'ai terminé là pour aujourd'hui pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'avez pas encore fait. Mettez un max de j'aime si vous n'avez pas encore fait. Et partagez la vidéo, ça me fera un grand plaisir. Et surtout, surtout, commentez, ça me fait un grand plaisir quand je vois vos commentaires. C'est, vous êtes des gens en or. Voilà. Allez, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!